Danou Kassongo, je suis journaliste depuis presque 20 ans, journaliste dans la presse rap et hip-hop en France. Et maintenant, depuis peu, je suis responsable des programmes pour BT France. Hors cadre famille, j'aimais beaucoup Elliot Wilson, quand il était rédacteur en chef de XXL. Il faisait des éditos hallucinants. Riggs Morales aussi, c'était un ancien journaliste de The Source, qui maintenant il est scénariste, il écrit pour Empire. Bon, il prend des gros chèques, mais je pense qu'il peut faire vraiment beaucoup mieux. Puis voilà, j'aime bien Jay-Z pour sa longévité. 13. 59 minutes, I'm gonna start killing passengers. You don't want innocent people dying, do you? You tell me. Bouscapé avait demandé pour avoir un créneau pour faire les interviews. Alors Bouscapé était déjà big, mais pas big comme maintenant. Donc au début, l'attaché de presse les avait snobés. Puis finalement, ils ont accepté. Donc ils m'ont dit, bah là, il faut faire une interview de Denzel. Et les press junkets au cinéma, on vous donne un quart d'heure, ils ont le plan derrière, et vous passez à la chaîne. Et c'est très contrôlé, il y a 40 personnes autour de vous. Et donc déjà, j'étais très impressionné, parce que c'était une de mes premières interviews d'un acteur de cinéma. Et là, en plus, je fais Denzel. Et en général, j'essaie toujours de rester cool et détendu. Mais là, je le regarde, je me dis, oh, ça, c'est vraiment Denzel. C'est débile, mais je me dis, ah ouais, mais je le vois en vrai, là, c'est Denzel. Donc, je serre la main, je commence mes questions. Et pendant qu'il me parle, même chose, je me dis, oh, c'est Denzel qui me parle, en fait, là. Après, ce qui est déroutant, comme c'est un acteur, tu sais pas à quel moment il est sincère ou pas. Et tu te dis qu'il fait toujours son jeu d'acteur. Et je pense qu'il a fait son jeu d'acteur. Il a joué Denzel qui fait une interview avec un Français un peu impressionné. Mais c'est super cool. Fuck le rap conscient, le rap bling bling. Vive le rap utile. Black, j'ai la plume. Je suis trop Sindanou Kassongo. DC, je l'ai rencontré la première fois à Urban Peace. J'avais demandé de faire une interview. Il n'avait pas le temps. Mais il avait été super gentil avec moi. Puis un jour, je le suivais sur Twitter, il m'envoie un DM et il me dit, oui, passe à Lille, je fais une date, je te prends ton billet, ce serait bien qu'on parle. J'aimerais qu'on parle. Je dis, bah, cool. À l'époque, j'étais freelance, donc je vais à Lille, je le rencontre, super cool, super humble. Et il me dit, voilà, moi j'aime bien ce que tu écris, je regarde ton blog, donc je suis super flatté. J'aimerais bien qu'on bosse ensemble d'une manière ou d'une autre. Cool. Donc il me fait écouter son album. J'écris la bio de son album. Et là, on est en studio, il me fait écouter des titres. Et puis, il me fait écouter les textes de son morceau Rap Genius. Il dit Le black et la plume, je suis trop Sindanou Kassongo. Je dis wow! Ah ouais, là, c'est un major shout-out, donc je suis super content. Puis, quelques mois après, bon, on est resté en contact, hein, mais quelques mois après, il me dit ben voilà, je tourne le clip, viens, ce serait bien que tu apparaisses. Great! J'y vais, j'apparais dans le clip, machin. Donc chaque fois qu'il fait des concerts, j'ai droit à ma dédicace en live. Je suis super content. J'ai pas envie de dire Jay-Z parce que c'est cliché. Et pour moi, c'est pas le best rappeur live. Petite parenthèse, il a été très intelligent de se donner ce titre. Parce que comme il y avait déjà les best rappeurs, c'était Biggie Tupac. Lui, il a mis Alive. Comme ça, il peut être dans la même catégorie qu'eux. J'aimais beaucoup Pharrell Monch, Talib Kweli dans ses premiers albums, Nas malgré tout, son premier album, c'est un classique incroyable. Bah voilà, j'ai dit, j'aime bien DC's, j'aime bien Oxmo, son premier album a mis une claque. Lunatic, voilà, le Crime Pay, ça reste quand même une claque incroyable. X-Men, même chose. Kazé, Kerry pour l'énergie. Donc j'ai pas forcément répondu à ta question, mais bon. Je trouve vraiment la performance de Cameron dans Pain in Full, elle vaut son pesant de cacahuètes. Ah, c'était quelque chose. Pff, la Air Force One. J'en ai rencontré beaucoup, hein. Par exemple Kool Herc, l'inventeur du hip-hop, super humble. Grandmaster Flash, pas humble du tout pour le coup. Ouais, pas bonne vibe, tout moi, donc ça m'a un peu déçu. 50,
pour le côté super cool, super détendu, super hip-hop pour le coup. Mais le plus hip-hop peut-être, c'est Reza du Wu-Tang, qui a un côté voilà, qui décortique tout, qui t'explique tout et qui veut absolument te convaincre. Mais j'aime bien ce côté-là. Nas, Illmatic, sans aucun doute. Un album d'Outkast, Atliens. Et le troisième, je pense que je vais prendre Doggy Style. Parce que c'est super West Coast et ça n'a pas pris une ride. Jamais. Pour moi, Cardi B, c'est pas rappé. Alors, elle a la personnalité, c'est une stripper, elle est populaire, elle dit des trucs de gogol, elle fait rire, donc ça peut vendre. Mais pour moi, elle ne sait pas rapper, elle ne sait pas écrire un texte et rapper. Alors, Nicki Minaj, malgré tout le botox qu'elle s'est mise dans le corps, je pense que si on enlève tout ça, elle peut écrire et rapper. J'aimerais bien interviewer Dr. Dre, mais en même temps, il est tellement politiquement correct que je ne sais pas si ça pourrait être une bonne interview. Eminem, quand même, pour voir ce qu'il a au fond de la tête. J'ai déjà fait Jay-Z, mais j'aimerais bien le refaire maintenant encore, pour voir ce qu'il a dans le coin, ce qu'il a dans la tête. Scarface, peut-être. Scarface va être intéressant. J'ai donné du temps aux jeunes journalistes qui se lancent. Parce que moi aussi, j'étais un jeune journaliste et des gars m'ont donné du temps. Après, c'est super cliché, mais ce qui est bien dans notre culture, c'est que c'est... Tu vois, par exemple, dans aucune autre culture, tu fais une interview, puis après, tu fais un drop. Tu peux croiser Dr. Dre en boîte, et tu lui dis, fais-moi un drop, il te fait un drop. Et ça, c'est hip-hop, tu vois. Bah, tu vois, par exemple... quand j'ai fait l'interview de Denzel, j'avais demandé un drop. Et voilà, Denzel, une cinquantaine d'années, il dit quoi ? Je dois te dire, big up Bouscapé, mais pourquoi ? Et en plus, justement, il m'a dit, mais pourquoi ? C'est quoi Bouscapé ? Parce que personne fait ça. Tu dis pas, oui, fais-tu dédicace pour le Figaro. D'ailleurs, mais what the fuck ? Et ce côté hip-hop et le journalisme hip-hop, c'est vraiment un truc qui n'est pas encore assez exploité, je trouve. Bon, là, il y a vraiment des bons gros documentaires qui se font aux États-Unis. Ça manque en France, et bah voilà, moi c'est ça que je veux donner, c'est l'énergie et c'est de la force. Big up, c'est Sindanou pour French Finesse.